Celle-ci est l'histoire de Valerio, un enfant spécial qui a une passion pour le vol. Son rêve est de planer là-haut dans les nuages, avec légèreté, en observant les montagnes et les animaux qui grimpent sur les rochers. Maquettes, dessins, livres, peluches et jouets racontent l'histoire de sa passion pour le vol, qui est si grande que la patrouille des flèches tricolores italiennes lui a dédié une affiche dédicacée. Parmi les nombreux jouets de son père et de lui-même, il y a aussi Ours, le peluche qui est aussi la protagoniste de notre histoire. Mais celle de Valerio n'est pas une fantaisie enfantine. Et c'est ainsi que commence sa journée. Une journée apparemment normale, comme celle de nombreux enfants. Valerio n'a aucun mal à se réveiller. Et après un câlin avec Ours, court à la cuisine pour dévorer le petit-déj préparé par sa mère attentive, Masha. Après le petit déjeuner, le petit sort avec son papa pour aller chercher le camping-car, la maison itinérante qui amène toute la famille à Anteil-Saint-André. Une fois sur place, l'équipement sur les épaules, notre petite équipe se dirige vers la navette qui l'amène en hauteur. Le minibus avec les pilotes de parapente quitte le village d'Anteil-Saint-André en traversant après la commune de la Madeleine. Une fois rejointe l'aire de décollage, il faut faire vite parce que le vent pourrait changer de moment à autre. D'autres pilotes décollent déjà, sous l'œil attentif d'une vache intriguée. Lorsque le vent est devenu favorable, Luigi, le père de Valerio, se met à courir pour enfin planer. Luigi modifie la vitesse du parapente en agissant sur les poignées de trim,
en profitant des courants ascendants générés par le profil de la montagne. Au sol, dans la plaine de Dentheil-Saint-André, la manche à air indique la direction et l'intensité du vent. À l'atterrissage, Valerio salue sa mère qui l'attend. Enfin, nous remettons les pieds sur terre. Après l'atterrissage, il y a un moment très important, bien que moins spectaculaire, la phase de pliage, qui est une question de discipline et d'entretien du matériel. Valerio aide son père en apprenant la technique de pliage, profitant de l'occasion pour faire quelques culbutes pour dégonfler l'aile. Notre héros, comme tous les enfants, aime faire du vélo et l'après-midi s'entraîne avec son père avec une petite voile. Voici les premières tentatives pour gonfler, afin de se familiariser avec le matériel. Mais le rêve de Valerio est de s'élever dans les airs comme un oiseau.
rêve est devenu réalité, et le voici à nouveau en tandem avec son père bien-aimé. Le parapente biplace survole la commune de la Madeleine, avec ses pâturages et ses forêts. Le spectacle est assuré. Valerio explore avec attention le paysage qui l'entoure, en développant le sens de la vue et de la position de son corps dans l'espace. Un vrai cadeau pour un garçon de cet âge. Voici un baptême de l'air dans lequel Valerio, à seulement 4 ans, profite d'un vol en hélicoptère de Valtournanche à Chamois. Puis, le lendemain, effectue son premier vol en parapente biplace, à basse altitude. On le voit ici, 2 ans plus tard, volant de Belin à Saint-Pierre. Ici, enfin, à Senin, il est la star absolue. Il fait ses premiers décollages du sol sous l'œil attentif de son père, de sa mère Macha et de Ours. Papa lui apprend la position correcte de ses bras pour gonfler correctement la voile et décoller. Thank you.
on apprend en faisant des erreurs. Et les tentatives infructueuses sont utiles pour corriger la technique et accroître la confiance dans les manœuvres. Ho 7 anni, faccio la seconda elementare. Quando sono in volo mi piace vedere i camosci, le montagne e le aquile. Per decollare con la vela si corre, si tirano sulle braccia e dopo correggi la vela, se va a destra tiri a sinistra, se va a sinistra tiri a destra e all'atterraggio freni. Mio papà mi aiuta dandomi le indicazioni come fare destra, sinistra, frena. Quando volo in biposto con mio papà qualche volta uso i comandi. Quando sono in volo ho grande emozione e non ho mai paura. Mi piacerebbe diventare come mio papà, volare in parapendio. Volare con le persone come fa mio papà. Il mio pilota preferito è Aaron Durogatti. Mi piacerebbe diventare come lui. Anche lui è iniziato da piccolino come me. Il mio pupazzo preferito è Orso. Dorme con me nel letto e faccio le avventure con lui. Un giorno lo porterò in volo, ma adesso mi sta solo a guardare. Io sono Luigi, il papà del piccolo Valerio, e faccio questa attività di volo da tantissimi anni. Ho iniziato con il paracadutismo sportivo per poi passare al parapendio e la mia attività principale è quella di portare le persone, quindi sono specializzato nel volo biposto. Da quando era piccolino Valerio mi seguiva e piano piano si è appassionato e adesso facciamo equipaggio, voliamo insieme in biposto e da qualche tempo lui con la sua piccola vela si allena con grande successo, direi, perché sta avendo una grande sensibilità e sta imparando velocemente. Certamente a 7 anni non potrà fare grandi cose ancora perché è giovanissimo, però prende un grande affiatamento con il materiale, impara le basi della sicurezza e piano piano arriveremo a fare dei voli importanti. Per intanto voliamo in biposto. Volare in parapendio è estremamente emozionante. Volare in Valle d'Aosta è impagabile perché abbiamo dei panorami unici, direi, al mondo. Volare in biposto è ancora più bello perché si trasmette la passione a delle persone che non hanno mai volato. Volare con il proprio bambino è una cosa unica e veramente eccezionale.
insegnare a Valerio i trucchi, insegnare la sicurezza, insegnare tutto quello che serve a volare per bene, non ha prezzo. Voliamo ormai insieme da 3 anni e quindi siamo un team affiatato, ecco, cresceremo sempre di più e avremo sempre avventure più spettacolari. Da quest'anno siamo entrati a far parte di un team internazionale con sede in Austria. Il volo biposto papà e figlio ha incuriosito molto Bruce Goldsmith, che è un grande campione di deltaplano e di parapendio, da poco diventato progettista, e quindi ci ha voluto in questa grande famiglia di campioni. Siamo gli unici italiani come biposto, anzi decisamente gli unici bipostisti papà e figlio in tutto il team, e ringraziamo di essere entrati a far parte di questa grande famiglia di campioni. Sono Masha, mamma di Valerio. Sono molto felice che Valerio e Luigi hanno questa bella passione. Sono molto felice di aspettarli quando vanno in volo a volare in due e sono assolutamente sicura, perché per Luigi sicurezza è al primo posto, sempre. Ho fatto anch'io 40 di voli con Luigi in 15 anni. Volo poco perché non ha tanto tempo per me, e adesso che ha Valerio ancora meno tempo per me, perché è una grande squadra. Sono felice di aiutarli in tutto. Poi quando Valerio invece comincerà a volare da solo, mi arriveranno un po' di capelli bianchi perché sono preoccupata. Fino adesso a posto. L'automne est enfin arrivé et Valerio profite du beau temps pour s'envoler avec son père au-dessus de Sarre. Suivi par son oncle Paolo, le petit champion flotte doucement dans le ciel. Les deux parapentes volent côte à côte dans un jeu qui les fait ressembler à des papillons aux ailes colorées perdus dans le ciel bleu. Un autre tour sur le château de Sarre pour après flanquer les vignobles des Mabilles. Un atterrissage bien amorti par les fesses de papa, puis encore quelques minutes à attendre que l'oncle Paolo se pose. Les jeux sont faits, la saison est terminée.